Vous êtes ici en fait, c'est comme un test, c'est ça, si j'ai bien compris? Moi, c'est un peu comme une période d'essai. Oui. Étant donné que c'est une période de 15 jours, oui, je suis artiste invité. Donc, je m'appelle Stéphane Plouvier. Oui. Donc, artiste invité par la mairie de Paris pendant 15 jours, du 16 au 31 janvier. Je viens du bassin d'Arcachon. C'est là où j'exerce et où je pratique. Je fais portraits et caricatures, l'été principalement. Et je suis le seul, donc je ne suis pas confronté en quelque sorte à la concurrence. Mais il y a le bon côté, il y a le côté stimulant. La concurrence, c'est bien parce que ça apporte une émulation en fait, quelque sorte, et ça permet le dépassement de soi en quelque sorte et donner le meilleur de soi-même aussi pour les clients, de rencontrer des gens. Et, moi je suis ravi, là j'arrive au terme de cette période d'essai, on va dire. Et je suis ravi d'avoir rencontré des artistes, différents talents et d'avoir mis en pratique ce que je savais déjà faire. Et voilà. Trial by camera. To his credit, Stéphane Plouvier does not shirk when I set up the tripod and the camcorder. He has been under the critical gaze of the Montmartre veterans for 15 days now. Throughout his two-week spell as a guest portraitist at the Place de Tête, Stéphane has drawn well and has got on well with the other artists. At stake, of course, in all this is a permanent place at the Artist Square. I have a feeling that Stéphane is going to get his authorization. Why? Because he's got courage. The courage to accept the video challenge and to allow himself to be filmed while tackling one of his first ever color portraits at the Place de Tête. Believe me, even some of the hardened professionals of the Place de Tête get nervous when the cameras are rolling and recording their every move. So well done, Stéphane. Let's see how he gets on.
Ça te plaît? Ouais, c'est sympa, ouais. Il a... Tes yeux sont magnifiques. C'est un dessin exécuté au crayon compté, pastel au sennelier, pastel tendre, cousin. C'est un mix de couleurs en fait, sur un papier canson gris. Crayon compté, compté à Paris, à la fois sanguine, pierre noire, du fusain. Des crayons de couleurs, de différentes sortes, de différentes marques, des pastels, pastels tendres, des pastels à l'écu de la marque Sennelier. Oui, c'est une très bonne marque. Et donc un pastel, un papier qui est conçu pour le pastel, un canson grichiné. Ça fait un noir très foncé, ça. Oui, c'est un 3B. Oui. Pas très foncé. Ouais. Si tout se passe bien, alors on aura votre carte l'année prochaine. Ah, je sais pas en fait quelle est la procédure. J'ai présenté un dossier pour la deuxième fois l'an dernier pour obtenir un emplacement. C'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de remplir un formulaire pour être artiste invité, donc 15 jours. On m'a proposé plusieurs dates, en janvier et février. J'ai choisi janvier parce que j'étais disponible et je pouvais venir à ce moment-là. Et puis parce que j'étais aussi pressé de venir exercer ici, parce que bon, c'est un peu une place symbolique à travers le monde. Et pour la petite histoire, en fait, il y a 9 ans, il y avait un passant, lorsque j'avais la toute première fois que j'ai fait des portraits, c'était en 2002, donc j'avais 19 ans, personne m'avait dit que sans me jeter de fleurs, je me verrais bien à la place du théâtre à Montmartre. Pour moi, ça évoquait vaguement quelque chose et donc, ironie du sort, je me retrouve ici aujourd'hui et donc on va voir pour la suite. Bravo. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez avoir votre carte parce que on a vu votre dessin et tout le monde a vu votre travail qui est très bien. Merci. Et aussi, vous étiez très sympa avec tout le monde. Donc, bon courage et peut-être à bientôt. Hein. Merci à vous. Allez. À bientôt alors.